Julien Villot, vous êtes entraîneur d'une jument qui fait toutes ses courses, qui avait réalisé un beau passage, c'était au mois de juin, sur l'hippodrome de Caen. On la connaît meilleure piste plate et à droite. Vous revenez à Vincennes, elle avait bien couru d'ailleurs le 21 janvier. Ouais, ouais, elle fait toutes ses courses. Après, là, il y a un petit contretemps au 15 juillet après sa course de Cabourg. Et du coup, elle a dû arrêter un mois. Elle a un petit peu mis du temps à retrouver la bonne carburation parce que c'est une jument qui est assez lourde. Et puis là, elle a l'air d'être revenue au mieux. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'étrangers. Il n'y a pas les haches. Donc, c'est pour ça qu'on court. Est-ce qu'elle est capable de jouer un premier rôle? On la connaît, hein. Faut la planquer quand même. Ouais, voilà, si elle est à portée de fusil dans le dernier tournant, peut-être qu'elle peut venir prendre une bonne place. Après, pour la victoire, ça va peut-être être compliqué quand même. Ouais, bon, bah, après, il y avait quand même les haches face à elle, hein, les 7 ans lors de sa venue à Vincennes. Cette fois-ci, vous avez les mâles. C'est, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, mais elle doit avoir sa place dans les 5. Ouais, voilà, ouais. Après, on a vu des chevaux. L'autre fois, elle faisait une bonne course à Cabourg, elle avait fait une superbe ligne droite. C'était Udo Durwell qui gagnait, qui a répété là depuis ces derniers temps. Donc, non, c'est. Normalement, elle doit rentrer dans le cadre.